Alors, messieurs, dames, sur Zelda Tears of the Kingdom, j'ai fait toute l'aventure principale, toute la quête principale. Mon but, là, c'est d'aller chercher le 100%. Donc, j'y suis vraiment pas. On est actuellement à 53%, comme c'est écrit sur l'overlay. Je peux vous montrer la map. 63,61%. L'objectif de cette session, ce serait d'atteindre les 55. J'ai dit ça déjà la semaine dernière et on l'a pas atteint et on s'est foutu de ma gueule. Genre, on m'a dit oui... 50. Mais en fait, le truc, c'est que je me suis pas rendu compte à quel point c'était beaucoup plus long que ce que je pensais, en tout cas sur les pourcentages. J'avais pas encore commencé à aller chercher petit à petit 100%. Donc maintenant, je sais. Donc là, l'objectif, c'est 55. Et déjà, si on atteint 55, je vous jure, c'est clean. Ok. Comment tu fais pour avoir l'overlay? C'est-à-dire pour que ce soit écrit les pourcentages? Les pourcentages sont écrits parce que j'ai tué le boss principal. Une fois que t'as tué le boss principal... t'as les pourcentages qui s'affichent. Voilà. Voilà, voilà. Vous aimez bien, vous, du coup, les Secrets Santa? Alors là, l'objectif... Ah oui, c'est vrai, on cherche... Alors oui, pardon. On cherche effectivement quelqu'un qui joue du cor. Il s'appelle Coréo. Et comme ça, il rejoint Maestro ici, la troupe de musique, pour faire sortir la fée qui est là, d'accord? Donc là, on cherche un joueur de cor, tout simplement. Non, nul à chier, Secret Santa, bof, non, je déteste, ça me saoule, jamais fait. Jamais fait, perso, donc je sais pas, mais pas fan de l'idée, jamais fait. J'ai pas de collègues, non, parce que c'est forcé, ça me saoule. Ça dépend avec qui. Vous avez pas l'air... Vous avez pas l'air emballé par le Secret Santa, parce que moi j'ai failli organiser un Secret Santa entre fleurs, là. Genre, là, c'était à deux doigts, là. C'est entièrement faux. C'est entièrement faux. On pourrait en faire au sein de la Ponce Corp. On peut en faire au sein de la Ponce Corp, Céline. On peut aussi se faire des cadeaux tout simples, quoi. Pas forcément secrets, tu vois ce que je veux dire? Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Parce que dans la Ponce Corp, on n'est pas non plus 70 000, tu vois. Je sais pas. Moi, j'avoue... Je trouve ça cool. Voilà, j'en ai pas fait des millions, mais... je trouve ça pas dégueu, les Secrets Santa. Enfin... Lesquels que j'ai fait, je trouvais ça assez marrant. Alors après, forcément, t'as des cadeaux que tu vas pas... Enfin, voilà, c'est... Ça dépend. Des fois, tu tombes sur des petites surprises, mais... globalement, c'est des petits cadeaux. C'est le but, tu vois. Il y avait un Prime qui dormait. Merci, Pharma. J'adore faire des cadeaux, donc je kiffe. Oh, par contre, moi, je sais pas faire de cadeaux, tu vois. Tu offres quoi, un Secret Santa, Ponce? Un abonnement sur ma chaîne. Genre 3 mois d'abonnement sur ma chaîne. Twitch. Et puis si la personne n'aime pas mon contenu, bah la personne va se faire foutre. Hein. C'est le cadeau, hein, c'est comme ça. Hein. Eh ouais. Let's go. Eh ouais. La chance. Non, en vrai, ça dépend des personnes, ça dépend dans quel contexte, tout ça, quoi. La dernière fois que j'ai fait un Secret Santa, j'avais reçu un Lego éboueur qui m'avait beaucoup, beaucoup touché. Qu'est-ce que j'avais offert? Moi, je sais même plus. Je vais m'entraîner aujourd'hui encore parce que je veux devenir un immense guerrier piaf. Un guerrier piaf? Hein? Mais t'es qui, toi? Nom d'un bec. J'imagine que tu m'as entendu parler tout seul. Ouah, la honte. Tu veux devenir aussi un grand guerrier? Nous les piafs, quand on se bat contre les monstres, il faut qu'on arrive à maîtriser les courants d'air. C'est pour ça que je m'entraîne ici tous les jours. Tu veux savoir en quoi consiste mon entraînement? Je parie que t'as super envie que je t'explique. J'utilise mes puissantes ailes pour repousser et faire rétro-pédaler les balles qui volent dans ma direction. Qu'est-ce que t'en dis? Tu veux essayer toi aussi? On va tester. Merci Spock. Teste en vrai. Ah, je savais dans ce cas, laisse-moi t'expliquer comment ça marche. Tu vois cette superbe tour là-bas? On l'a construite exprès pour ça. Le type là sur la tour, c'est Tabult. Je l'ai embauché pour m'aider. C'est une petite merde, on s'en fout un petit peu. Tabult va envoyer des balles par ici et l'objectif est de les faire rétro-pédaler jusqu'à ce que le panier mobile... Jusque dans le panier mobile. Un total de 12 balles vont voler vers toi. Les vertes valent 1 point, les rouges valent 3 points. T'es Ilien, t'as pas d'aile. Pour toi, c'est pas gagné. Hein. Rassure-toi, t'as le droit d'utiliser tous les outils.
ou pouvoirs à ta dispo, même les plus rétro. Rétrospective, t'as la ref? Je te demanderai 20 balles, histoire de rétro. 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 Pédaler. T'inquiète. Allez, tout est prêt! C'est parti! J'ai les bras qui m'en démangent. Oui, oui, bon, d'accord. Oh non, c'est loose, je crois. C'est dedans ? Oui ! C'est faisable, hein. Merde, j'ai oublié de réappuyer. Attends. Qu'est-ce que tu vas faire de ça, du coup ? Ah, y a... Attends, quoi ? Ah, elle va tomber, ok. Merci Tsurosama pour le 26e. Moi ! Merci beaucoup. Non. Un peu trop... Non mais attends, tu vas un peu vite là, enfin tu vois bien que... J'ai failli en mettre deux d'un coup. Oh, ça aurait été incroyable. Attends, il y a des strats de fou, non ? À faire. Oh, il y a des strats de fou à faire. Bouge pas, j'arrive. Au moins, je fais de l'exercice, c'est bien. Il m'avait dit 12, j'en ai mis 14. Bon, bah voilà. Je trouve ça scandaleux de ne pas avoir eu de bête là-dessus. Vous voulez un bête ? Vous voulez une prédiction ? Ouais, tu m'as sous-estimé, mon gars. 50 balles. Je vous rappelle que plus de... C'était combien ? 6 milliards de points de chaîne ont été mis, je crois, dans les... Il y avait pas un... Il y avait une stat comme ça, assez ouf. Hop. Je commence les prédictions. Qui sera le maître des... Ah non, c'est pas ça. Ok. Vais-je battre mon record 14 boules ? Oui, non, vous avez 2 minutes. Est-ce que je vais faire mieux que 14 ? Est-ce que je vais faire mieux que 14 ? Ok ? Ça, c'est la question qu'on est en train de se poser. Hey ! Hey ! Allez, vous pouvez parier pendant ce temps, je réponds à un message en avant auquel j'avais pas répondu il y a longtemps, l'ancienne. C'est Green Spirou qui m'avait parlé d'une stat de train. Bon, bref, posez pas de questions. Salut, je réponds à ton message en avant. Hop, merci Irawen, merci beaucoup pour le 23e mois, des bisous. Vous avez la prédiction, hein. Est-ce que je vais battre mon record ? Oui ou non ? Il faut que je fasse plus de 14 pour battre le record. Un indice ? Bof, hein ? Bof, hein ? Il me... Ouais. Je t'envoie ça, Céline. Ouais, mais c'est trop tard, non ? J'arrive, Céline. Une seconde. Oh là là, je fais plein de trucs en même temps. Quelle galère. Hop. Tiens.
Ok. Check en stream. Ouais, c'est bon. Bien joué, Céline. Très bien joué. Merci, Gab. Merci beaucoup pour le prime. Grand bienvenue. Messieurs, dames, il est l'heure de la vérité. Est-ce que je vais battre mon record sur ce jeu de rétro Wink Wink Spective? C'est parti. J'ai pas du tout vu la prédiction. Hein. Je sais pas où est-ce qu'on en est. C'est énorme. Faut aller assez vite en fait, ouais c'est ça. Faut pas hésiter 15 ans quoi. C'est-à-dire que là, le truc a le temps de revenir et je le fais maintenant. Oui. Est-ce que je fais une strat de double? Mais non mais ça sert à rien, je les ai quoi qu'il arrive. Ok, ça a l'air bon, ça a l'air bon, ça a l'air bon, je pense si je fais ça. Allez! Oh, j'ai failli rater. Comment je suis bon? C'est un bug où il a amalgamé deux boucliers. Non, j'ai amalgamé deux boucliers. Ce qui donne une défense de fou furieux. C'est mort. C'est mort. Waouh, waouh, ça a failli se toucher. C'est une dinguerie ce que je fais. C'est une dinguerie. 17. Il y en a un qui est tombé. Il y a eu moins un. Il y en a un qui est vraiment tombé, genre. C'est un 19. Un 19, c'est win, voilà. C'est magnifique. C'est oui, j'ai battu mon record. Ok. Quand je jouais à Totsk, c'était mon farm infini. Bah, j'avoue que j'ai l'impression que c'est... C'est quand même très facile, quoi. 100 rubis! Ah oui, quand même. Bon, bah, je relance une prédiction. On va essayer de faire un perfect, hein. Est-ce que je vais battre mon record 19 boules? Est-ce que je vais faire plus que 19 boules? Moins de 19 boules ou moins. C'est parti. Ah non, c'est 19 points, pas 19 boules, pardon. Merde. Ouais, c'est pas boules. Attendez. Merde. Comment... Ah. Oui, c'est points, c'est pas boules. Oui. Oui, mais tout le monde a compris, non? En vrai. On a compris, on comprend, vous comprenez. Surtout qu'on l'a dit... Oui, vous comprenez. On parle évidemment de points. Et non pas de boules. Exact. Oui, tout le monde comprend, c'est très clair. T'avais mis boule avant, tout le monde a compris. Oui, avec les boules, on est d'accord. Clairement d'accord avec les boules. Donc tout va bien. Parfait. On en est à combien là au niveau de la prédiction? 1 million... Ah, c'est pas comme ça qu'on va atteindre les 6 milliards de points de chaîne, mais bref. Mais c'est pas grave, mais tranquille. C'est quoi ce... Niro, c'est quoi ce truc que t'as sur le chat, le badge que t'as... The Golden Predictor of the Game Awards. La dinguerie. Merci Groomfre pour ce 17ème mois, merci beaucoup. C'est quoi? Ça veut dire que t'as répondu avec ton compte Twitch sur le site de Game Awards et t'as eu 100% juste, c'est ça? C'est incroyable. La prédiction 2 millions sur le oui, 2 millions sur le non, c'est 50 et 50. C'est toutes les prédictions Game Awards juste. Putain, c'est une dinguerie, GG. C'était la prédiction du Game Awards, mais uniquement 23 sur 31 de juste. Ah oh, oui, mais dans ce cas-là, moi aussi. Oh ouais, ok. Oh, je vois, ok. Ouais. Messieurs, dames, vous avez encore quelques secondes pour la prédiction. Ils ont arrondi. Oui, je capte. Ok, ça part. Thank you.
Faut que je la joue, voilà, safe, comme d'hab, safe. Oh, je dis safe. Wow. My bad là-dessus. My bad là-dessus. Non! Oh! Qu'est-ce qu'elle fout? On sait pas trop, hein? Merde. C'est mort, hein, je crois. C'est dead. Ça, c'est un peu loin. Ça le fait, ça le fait. Oula, j'ai peur, là. Non, ça le fait. Ok. Oh non. Oh non. Ah, la prédiction, dommage. La team non qui gagne là-dessus, dommage. La perf était pas ouf. Ouais, de fou. Merci Chubby, merci Myun, merci beaucoup pour la resub. Non, la perf était abominable, je suis assez d'accord. J'ai fait, pourtant j'ai... Ouais. T'as tenté de les attraper avec ton emprise. Oh ! Je fais une tentative comme ça, je fais une tentative emprise. C'est faisable ou pas ? Je sais pas encore si je fais une tentative en prise, mais je lance une prédiction. C'est un peu loin, non? Moi, je l'ai fait comme ça, perso. Ouais, mais c'est loin, donc c'est dur, non? Genre, c'est un peu la seconde. Non, non, ça se fait. Ok, bah, je le tente, vas-y, je le tente. Vas-y, go. Vous avez encore 1 minute 30 pour la prédiction. Est-ce que je vais battre mon record? Oui ou non? De 19 boules. C'est ouf, comme d'un coup, tout le monde se met à voter non. C'est assez dingue. Je m'y attendais pas du tout à la suite de mon échec, c'est fou. Merci, Zatch. Il y a combien, là? 1 million sur le oui, 2 millions sur le non. Très bien, très bien, très bien, très bien. Imaginez la maître classe. La maître classe est tout à fait faisable. Ah bah même, on va aller chercher cette maître classe, bien sûr. Bien sûr, on va aller la chercher. On peut pas bet 100 puntos, ponce. Ah oui, si t'as déjà tout claqué et que tu es actuellement extrêmement pauvre, tu ne pourras rien faire, tout à fait. J'y croive. Il faut croivier au maximum, bien sûr. J'ouvre une banane pendant ce temps, d'accord? Pendant que vous y croivez, j'ouvre cette banane. Et je mange un petit peu de potassium, ce qui va pouvoir m'aider sur l'épreuve. Ouais. Effectivement, si jamais vous n'avez plus de pétales, vous pouvez attendre une dizaine de minutes et vous allez en récupérer en regardant tout simplement le live. Voilà, sachez que... Il n'y a pas un truc aussi avec les subs où c'est x2? Ah non, je crois que c'est fini ça. Je crois que c'est fini, je sais plus. Si, toujours? Ah, je crois que c'est fini. C'est x1,2. Ah oui, d'accord, c'est... Ok. 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 Bon. Go. C'est pas énorme, du coup. C'est en T3, le x2. Ils avaient pas enlevé ça? Tu es une très jolie fleur. Merci, Shirano. Shirano de Bercherac. x2 quand T3. Ah ouais, ok. C'est fini, on y va? C'est parti. Ah oui, mais du coup je change de... En plus de... Attendez.
Nickel. Nickel. Il va un peu vite. Il a pas mal enchaîné là. Ah, je suis vraiment désolé. On l'a refait. Ok, on rejoue. Faisable, c'est vraiment faisable, ouais. Oh, c'est chaud. My bad là-dessus. Je la refais en emprise, ouais. On repart sur une emprise. J'ai relancé la prédiction. En vrai, j'ai juste choc le premier parce qu'au lieu d'emprise, j'ai utilisé amalgame et du coup, j'ai bégayé. Mais en vrai, à part ça, j'ai tout mis. Hein. Non. Oh, c'est pas vrai. Il y en a une à droite que j'ai pas eu. Non, c'est faux. Amalgame, c'est vraiment la bonne strat. Amalgame, je pense, c'est vraiment le truc à faire. Je pense, ouais. Réponse, tu joues à quoi ? Bah là je joue à Fortnite, on est top 19, j'ai 3 kills, donc on s'approche petit à petit du top 1. Tu peux répondre à la prédiction en haut, est-ce que je vais top 1 Fortnite ? Juste au-dessus là. Si jamais, on est close, je suis plutôt chaud. By the way. Et j'ai un magnifique skin Ariana Grande, tout à fait. Que j'ai acheté sur le pass de combat de la saison 17. Tout à fait. Tout à fait. Merci à Chikachan. Premier trimestre passé, on continue le soutien et des bisous aux fleurs de Clermont-Ferrand. Merci Hachi. Merci beaucoup. Il vous reste quelques secondes à peine pour la prédiction. Il y a plus de non que de oui. Ok. Ok, let's go. Je récupère quand même ces thunes. C'est vrai que là, en termes de thunes, c'est quand même value. Hein. Ok, c'est reparti. Hey ah. Le top 1, peut-être. J'ai voulu m'occuper un peu de tout. Mais je pense que je peux encore aller chercher celui derrière, c'est pas une vanne. Hein. Attendez que je m'avance et qu'il soit dans mon champ de vision. Attendez un peu, vous allez voir. Ok, on refait. Est-ce que je vais y arriver ? De toute façon, je vais finir par y arriver. Hein. C'est normalement... normalement, je vais y arriver. Enfin, back to zero pétale. Let's go.
On va finir par y arriver, on va finir par y arriver, je vous en conjure. Tranquille. On va y arriver, on va y arriver, on va y arriver, faites confiance. Bah non, on refait pas, j'ai plus. Si, 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 si. Si, si. Merci Antoulm, 31 mois, merci beaucoup Antoulm. Des bisous. Toujours avec Emprise ? Oui. Oui, oui. Bah oui, ça avait l'air d'être le plus... Ça avait l'air d'être le plus, comment dire, ouais, le plus efficace, bon. En vrai, j'ai fait... Attends, le 19, je l'ai fait avec Emprise ou pas ? Mais non, je l'ai fait avec Rétro, je crois. Rétro, wink wink ! Wink 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 ! Tu contrôles ou pas cette fois ? Mais je peux pas deviner, hein ! Je peux pas deviner vu que c'est pas du tout intentionnel et que c'est pas du trolling mais plutôt juste du choc qui fait partie pour moi entièrement de la vie d'un joueur, d'un gamer. J'ai tout simplement choc et j'en suis DSL. Mais en fait, il suffit d'une fois où je choque pas et c'est win et ce sera fini. Ça se passera au moment où ça arrivera. Tout simplement, il vous reste quelques secondes encore à peine pour parier, messieurs, dames. On va pas tarder à y aller d'ici quelques secondes, mais le pari, lui, n'est pas terminé. On a combien de points de chaîne en jeu ? À 2 millions sur le oui, 4 millions sur le non. Voilà, continuez à parier. 20 secondes à peine là pour la prédiction. Continuez à mettre des points de chaîne. On a 5 millions sur le non. 2 millions 3 sur le oui à peu près. Hein, c'est des chiffres assez monstrueux hein, en termes vraiment de bêtes pures. Hein. Et on va partir directement. Ça a commencé à être chiant ça. Non ! Et pourquoi il a envoyé plus vite ? Peut-être mon crâne. C'est fini, c'est ça? Quelle honte devant des millions de Français qui plus est. Non mais je suis désolé, hein. Je suis désolé. Nice try. Je retente, je repars, hein, ça va arriver. Hein. Redi Fleur de l'Ombre, j'ai tout rattrapé pendant mon congé mat. Un plaisir de pouvoir parier. Ah là là, oh là là, les Redi Fleur de YouTube ou de Twitch qui arrivent et qui sont en mode trop cool, on va pouvoir parier. Et qui dans une heure diront OMG, je n'ai plus de pétales, je pète mon crâne, je déteste ce live, à plus. Aïe 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 aïe. On vous embrasse d'ailleurs, vous qui nous regardez sur YouTube. N'hésitez pas à venir en live si vous aussi voulez perdre l'ensemble de vos pétales, hein, surtout. Je m'en charge, faites-moi confiance là-dessus. L'autre pouvoir était pas plus opti. Franchement, je sais pas trop. En fait, l'autre pouvoir, toujours en prise. J'y vais toujours à l'emprise. Ouais. J'y vais toujours à l'emprise parce que j'ai l'impression... Bah, en fait, je suis plus libre de mes mouvements. Mais du coup, vu que je suis plus libre, bah forcément, je peux plus choquer. Vu que je suis un choqueur, bah je choque. Tu vois ce que je veux dire ? Donc bon, voilà. Mais je sais pas, c'est plus sympa, en vrai. Plus on avance dans le temps, moins on croit en moi. Je comprends. Merci Elmani. Merci pour les 2 ans de Prime. Je remercie Jeff et le Prime pour la salade. C'est magnifique, merci de penser au Prime, c'est adorable. Des bisous. Est-ce que vous pensez qu'il y a plus de Prime non utilisé actif que de Prime utilisé actif ? C'est une vraie question que je pose ici. Si on part du principe, si on ne compte que... Alors, attendez, j'ai pas été clair. On ne compte que les primes qui sont déjà associés à Amazon.
À Twitch. Pas les Prime, parce que sinon, oui, il y a beaucoup plus d'abonnements Prime, pas claqués que claqués si on prend tous les abonnements Prime. Non, non, là, on parle des gens qui ont lié Prime à leur compte Twitch. Ce qui est différent. Merci, Bob, pour le Prime. Beaucoup de gens savent qu'ils ne savent pas qu'ils ont Prime. Est-ce que vous pensez que beaucoup de gens regardent Twitch en ayant Amazon Prime, mais sans savoir qu'ils peuvent s'abonner gratuitement à une chaîne en liant leur compte Amazon Prime à Twitch? Vous pensez qu'il y en a... Ah ouais? C'est vrai que... Je sais pas, hein, on en parle souvent quand même. Hein. Tu es une très jolie fleur. Alors, évidemment qu'on parle de Prime, il y a toujours des gens qui se réveillent. Et je remercie les monstres et Floki, bien sûr. C'est à vous. Une portion, c'est sûr. Non, une portion, c'est sûr, mais ça reste une minorité, je pense, en vrai. Impossible, les streamers sont trop des forceurs là-dessus. Ouais, mais tu vois, même si tu forces sur le... Moi, je comprends hein, le forcing sur le Prime. Le Prime, un Prime pas utilisé, c'est con de fou. Ou que tu oublies de refresh juste parce qu'il se refresh pas tout seul, c'est dommage, tu vois. Donc moi aussi, hein, moi, je comprends ça. Par contre, ça force sur les Prime, mais ça force pas sur les Prime en mode l'explication de comment fonctionne Prime. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ce qui est pas pareil. Merci Jihiro, merci NeoBlood, merci Ambrichon. Merci beaucoup pour les reprimes. Parce que c'est vrai qu'en fait, on explique rarement comment... C'est vrai, je viens de capter. Mon père veut pas que j'associe son Prime à mon compte Twitch, donc je paye. Ah ouais, ouais. Mais il a pas capté que ça faisait strictement rien. Du coup. En quoi c'est idiot de ne pas claquer son Prime? C'est idiot, entre gros guillemets, mais dans le sens où tu payes un abonnement d'un certain montant à Amazon Prime, alors que tu pourrais continuer à payer ça en soutenant un créateur ou une créatrice que tu kiffes, n'importe, et du coup en soustrayant de l'argent littéralement à Amazon. Tu vois ce que je veux dire? Vu que tu en donnes déjà à Amazon avec Amazon Prime, en fait tu peux en soustraire vu qu'Amazon va donner de l'argent à un créateur ou une créatrice. Donc c'est pas idiot, mais c'est inclus dans ton... C'est pas idiot, hein, c'était peut-être pas le terme, mais c'est inclus dans ton forfait, tu vois ce que je veux dire? C'est un peu ça le truc. En gros, c'est de la thune qu'Amazon donne pas si tu claques pas ton Prime. Exactement. C'est exactement ça. Exactement. Merci, Ousse. On est parti, messieurs, dames. J'y vais en emprise. Ok. Merci aux Zenix. Merci, c'est gentil, des bisous. Première fois que je commande sur la boutique Ponce. Arrivé en 3 jours, gros banger. Merci à m'énerver. Oui, ils sont bons. Ils sont très très bons. Merci Uzeti. Merci Tokiba. Bon, on est parti. C'est gagné, messieurs, dames. Record maximum 20. Joli. On l'a fait. Merci pour les GG. Merci beaucoup. La seule fois où je parie pas. Bref. Je l'ai fait. J'ai réussi. J'arrive pas à y croire. Ce score est tout simplement épatant. J'avais jamais vu quelqu'un mettre autant dans le panier. Tu m'as bluffé. Putain, j'ai pas plus que 100 alors que j'ai fait le 100%, quoi. Merci Saki. Merci Olivia.
Merci beaucoup pour les primes, c'est gentil. J'ai bien fait de miser que 4000 sur le nom, oui. Bah là, je suis content, là. Là, je suis content, messieurs, dames. Là, là, j'avoue, je repars petit smile, tu vois. Je me suis fait combien? Oh, je sais pas, j'ai démarré quoi, avec 700, un truc comme ça, non? 400, non, je crois que je me suis fait 400 quasiment en tout. Oh, jure trick global. Merci pour le prime, j'ai la ref. Tu as lu la dernière phrase? Non, j'ai pas vu, il a dit quoi? T'as dit quoi, bro? Il a dit fais de la place dans tes armes. Il veut me donner un bail? Oh, il voulait donner une lame, mais t'as plus de place. Oh non. J'ai vraiment pas de place là. En vrai. Bon écoute, je reviendrai. Je vais mettre un petit marqueur ici avec écrit ici on peut jouer. On met les jeux genre c'est des étoiles, d'accord? On essaye de retenir ça. Hein. Voilà. La quille. Ah, c'est pas mal la quille. On met la quille. C'est les jeux, la quille, ok? Ah, mais la quille, pour moi, c'est plus des gens. Non, les étoiles, c'est des jeux. Tu vois, par exemple, tout en bas, à droite, là, on a un jeu aussi. On met une étoile. On dirait que tu peux toujours pas porter l'arme. Attends! Oui, pardon. Dis-moi. Tiens, pour toi, une lame rémige. Non, arrête, il me retente instant. En mode, do you want to go again? Allez, merci pour l'arme, je la mets sur le côté, ok? Ah. Merci, bro. Destru. L'arme unique du roi Piaf. Mais non, mais j'en ai même une sur moi, regarde. Regarde. C'est pas du tout ça. Merci, Amphipria. Qui offre 5 abonnements. C'est gentil, merci beaucoup, Amphipria. Dans les abonnements offerts en plus, il y a Gorgonzola Mascarpone. Ça y est, j'ai faim, merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Chose promise, chose due. T'avais promis quoi? Attends, je te stalk, hein, si tu me permets, bien sûr. J'ai trop cru en toi, j'offre 5 subs, comme promis. Si ça gagne maintenant, j'offre 5 subs. Ah ouais, j'avoue, t'avais écrit ça. Mais tu sais, j'avais même pas vu. Franchement, t'aurais pu m'escroquer là-dessus. Merci, c'est adorable. Merci beaucoup. Mais franchement, j'avais pas vu. T'aurais vraiment pu être en mode trop GG, trop fort, insane. J'ai toujours cru en toi, j'adore. J'aurais été en mode merci, tu régales. Merci en tout cas. Très fair play, très très fair play de ta part. Je crois que je vais mettre de l'escalade un peu. Il faut qu'on gagne en vitesse. Merci Corrosif pour le 28e mois. Toutes les occasions sont bonnes pour stock les fleurs. Jacker, attention. Hein. À tout moment, je clique sur ton pseudo et je peux tout lire sur toi te concernant. Voilà, petit rappel. Petit rappel, Jacker. Mais attends, toi, Jacker, t'es modo, non, sur la chaîne de l'API? En tout cas, il me semblait que t'étais modo sur la chaîne de l'API. Est-ce que... En tant que modo, tu peux lire aussi, tu peux stalker, non? Je crois. Ok, Big Brother. Ouais, tu peux stalker en tant que modo, on est d'accord. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça. Tu le fais pas un peu, Mimo, des fois?
Avoue-le, Mimo, avoue-le, tu stalks un peu des fois, tu checks un peu. Si, ah bah voilà, tiens, je suis pas tout... Voilà. Totalement, voilà, je t'en remercie. C'est très humain d'avoir cette envie. Normal. C'est normal. C'est normal, c'est 100% sûr. Perdre, puis gagner pour revenir à son nombre de pétales initial, ça n'a pas de prix. J'avoue. Après, perso, je peux stalk sans être modo sur n'importe quelle chaîne. Non, c'est pas possible. Merci Dofigito. Merci pour le prime. Bienvenue. Si, merci Seven TV. Ah oh. Ah ouais. Ouais, mais vous avez pas tout, vous avez vraiment toutes les infos. Genre le nombre de Théo, le nombre de ban, le nombre de machin. Vous avez vraiment tout, genre. Non, pas exactement, tu ne peux pas voir ce qui a été dit pendant ton... Tu ne peux voir que ce qui a été dit pendant ton temps de présence sur la chaîne. Ah ouais, non, c'est pas le même stalking, c'est pas le même. Pas pareil. Par contre, Jacker, je stalk que quand je dois un ban et... Oui, quand tu dois un ban ou pas quelqu'un, oui, c'est ça. Bah moi, je stalk tout le temps, en fait. Voilà. En permanence, en fait. Constamment en train de stalker les gens. Voilà. Eh ! Ah bon ? Au détour de la colline ? Ah ! Nice timing. Non mais toi, ton nombre de Théo, Emdal. On peut pas... Bon, je vais tuer cette... cette... Oula, ça va. On m'a fait de la... Et mets pas ta tête dans le sol. Mais tu fais des tricks avec ton arme? Mais déjà, ah, mais la technique de l'autruche, vraiment, hein. Mais juste, mets-moi des dégâts, fais quelque chose, je sais pas, j'en sais rien. À quoi tu sers? Qu'est-ce qui se passe? Bon. Je vais quand même le tuer avant le fight qui nous attend, parce que le fight qui nous attend sera beaucoup plus complexe. Dans le sens, en plus, où je crois plus trop d'œil. Si je dis pas de conneries, donc va falloir aim. Donc c'est chiant, hein. J'ai plus trop... Ouais, j'ai plus d'œil. Oh, j'ai plus d'œil. On l'attend de sans yeux. Ça va pas être le même... Ça va pas être le même, la même partie de plaisir. Hein. Ça va être beaucoup plus complexe. Hein. Il t'en reste un. Ouais, je le garde en cas de panique, ok? Oh là 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 là, le fait qu'ils aient mis ça, ça me régale. Hein. D'ailleurs, attendez. On met... Les monstres, c'est tête de mort. C'est une tête d'homme. YOLO gang. Normalement, ça tombe au sol. Une fois que c'est au sol, je prends une arme de main. Je tente un double hit inversé. 360. J'ai dégommé une grenouille, je crois, sur le chemin. C'était pas voulu, je vais pas vous... Attends, mais il n'y a même pas eu la cinématique de fight. Je ne sais même pas, c'est PV. Je reprends la double arme et je double hit.
J'arrive pas à double hit. Ok, ça va se renvoler. Eh bien, je vais pas faire ça. Il fait un peu chaud là. Il retombe. Et après il va s'envoler définitivement, enfin pas définitivement mais s'envoler beaucoup plus haut. On sort l'arme, on commence à charger, on y va. On change d'arme. Je comprends. Après ils ont déjà perdu une tête là. Je crois que c'est... Ça marche ? Ah ! Good fight, hein ? Choc barre de la perfo. Trop bien. Oh bah voilà. Trivial. Bon. Oh, j'irai pas jusqu'à trivial, c'est pas le terme, mais... Merci beaucoup pour ces jèges, ça fait très plaisir. Peut-être que je vais essayer de les faire comme ça, parce que maintenant, histoire de ne pas claquer tous mes yeux, genre les utiliser pour à la fin, quand ils s'envolent, mais pas les utiliser pendant le fight classique, je pense, en vrai. Il y a trivial dans le chat qui répond oui. Là, on parlait du fight, mais t'inquiète. Attendez, une pêche qui peut choquer hein, certaines personnes. Mais une pêche qui fonctionne bien. Excusez-moi, mais je sais, ça fonctionne vraiment très bien. Ah, c'était là. Assassin. Ah, totalement spéciste. Hein. Vous savez à quoi ça me fait penser ? Ça me fait penser... Vous l'avez vu le film Les Simpsons ? À un moment, il y a Bart qui raconte qu'il va pêcher avec son papa des fois et que ça s'est pas passé comme prévu. Bon, bah, il pêche comme ça, quoi. J'avais la ref. Vous êtes bon. C'est pas suspect de zinzin, ça? Il doit y avoir une entrée de grotte par là. On va aller chercher ça, d'accord? Recherche de la grotte, messieurs, dames. Attends, mais juste, où est le Korogu? Alors que Coréo, il m'était complètement sorti de la tête, le poteau, là. Coréo, c'est vrai, ça? Tu veux bien de me le rappeler, là, le poteau Coréo, là? Le pire, c'est que tout droit, là, j'ai vu... Oui, j'ai vu un truc, là, aussi, attends. Pendant que Coréo... Voilà. De ma flamme. Je tape doux. Allez ! Vous rendez pas compte, hein, les pourcentages qui sont en train d'avancer à une vitesse. Je suis désolé pour le speedrun que je vous propose. C'est quoi ça là-bas avec où il y a du feu là ? Qu'est-ce qui se passe là-bas, là-haut ?
Est-ce que ça continuerait pas du diamond painting avec Ponce qui explore tranquillement en fond? Apparemment, c'est super addictif le diamond painting. Oula! Me dis pas qu'il est coin. C'est Coréo. C'est beau quand même. Hein. Profite. Il est beau son corps. Hein. C'est un petit corps. Il est beau. Hein. Oh, t'es venu à ma rescousse. Oui, j'étais membre de la troupe musicale des Brides Abattues. En effet, j'y jouais du corps. Mais il vous cherche, maestro. Hein? La grande fée s'est retirée du monde et les autres membres de la troupe me cherchent. Ah bon? Et t'es au courant que le village Piaf au nord d'ici souffre d'une pénurie de nourriture? Non, parce qu'on parcourait Hyrule pour donner nos concerts, les Piaf ont été d'une hospitalité incroyable à l'époque. Et quand j'ai entendu parler de cette tempête de neige qui frappait leur village, j'ai voulu faire quelque chose. Faussant compagnie aux Brides Abattues, j'ai pris la route du village Piaf pour y porter des vivres et un peu de musique. Mais alors que je venais de partir, le sol s'est ouvert devant moi et je suis tombé dans cette énorme fosse. Mon cheval s'est fait la malle et je ne sais où. Et mon chargement est fichu, il ne me reste plus que mon chariot. J'étais pas au courant pour la grande fée, je savais pas non plus que la troupe s'était reformée. Il faut que je sorte de cette fosse et que je rejoigne mes compères des Brides Abattues le plus vite possible. Mais j'arrive pas à escalader la paroi. Et quand bien même j'y arriverai, je ne veux pas partir sans mon chariot. Je te suis reconnaissant d'être venu à ma rescousse, mais je me demande bien comment on va sortir de ce trou. Oh bah alors là... Ah, un sondage a été lancé, très beau corps. Ah oui, non. Le corps, pas le corps. Vous confondez les corps, hein. Bon, écoute, ça va être très très simple. Ce que je vais te faire ici, regardez, sous tes yeux, tu vas pouvoir prendre ça bien tranquillement. Je te mets ça ici, regarde bien. Hop, je te mets ça là. Je te mets ça. On décollera au Calmito avec ça, qui nous permettra de tenir un peu plus longtemps. Toi-même, tu le sais, t'es MTC, comme on dit, bien sûr. On va les centrer, quand même. Le retour du BTP, messieurs, dames. Hop, on va mettre ça là. On va clouer ça là. Hop. C'est parfait. Hop, là. Merde. Attends, hop. Hop. Nickel. Bon. Et ça dérange si j'utilise ça pour casser les... Et les suspensions, par contre, de ta bagnole, je m'y attendais pas, là, c'est... En tant que corniste, on a l'habitude de ces blagues. Tu m'étonnes. Sur le corps, tu m'étonnes. Oh non, ils me disent étage inférieur. Pour ce sanctuaire. Mais quoi? Mais je vous dis, moi, il y a une entrée de grotte, là. Il y a une entrée de grotte dans le coin. Il y a un truc. Tiens, on va coller ça là. Comme ça, il sera content. Nickel.
J'arrive pas à escalader la paroi. Et quand bien même, je peux pas sortir d'ici sans mon chariot. Si seulement quelqu'un pouvait m'évacuer dans mon chariot, hop, en deux temps, trois mouvements, un petit miracle de temps en temps, ça fait pas de mal. Tiens, va dans le chariot. Hein ? C'est pas une blague, t'es sérieux ? Ça marche. Alors, bon courage. Hein. Je crois que je vais avoir du mal à monter dans mon chariot, là, non ? Est-ce que tu pourrais le mettre à un endroit plus facile d'accès, s'il te plaît ? Bien sûr. Je comprends sa réaction, ouais. Sûrement. Attends, parce que là, il va pouvoir monter, mais il va pas pouvoir descendre. Enfin, il va pouvoir descendre. Il va ne pas avoir le choix que de descendre. Nickel ? T'es bien là ou pas ? Non, mais tu peux pas t'asseoir comme ça avec l'expédition qu'on va faire. Et tout se passe bien de ton côté ? Tu veux que je descende du chariot ? Non, non, tout va bien. Bon, bah, ok. Allez, bon courage, hein. Force à toi. Je vais te mettre ça quand même pour que tu sois pas trop mal. T'inquiète pas, je... Hop là, regarde. Une, deux, trois. Ah, peut-être pas allumer avec du feu. C'est parti. Et hop là, on s'envole. On s'envole. On va... Alors, j'aurais dû mettre une direction. Ouais. Alors attends, bouge pas. Tout va bien, t'auras un peu d'air sur la gueule. Tout va bien. Tu vas te... Voilà, tu reçois de l'air sur la gueule. C'est pour aller ailleurs, tu comprends bien la situation. Ah, je suis plus dans la fosse. Alors attends, parce que t'es plus dans la fosse, mais on est Hein ? Quoi ? Non, fallait faire l'atterrissage, comment ça ? Je suis enfin sorti de ce maudit trou ! Ah, j'étais tellement nerveux que mes lunettes se sont embuées, du coup j'ai pas vu grand chose, mais tu m'as tiré d'affaire, non ? Ah, je suis abattu ! Dommage que ça paille beau. Mais grave, fallait que ça aille au bout en vrai, je suis abattu. Sans toi, je... On va refaire l'atterrissage, vous en faites pas. Je serais sans doute resté coincé au fond de ce fichu trou encore un bon moment, maintenant que j'y repense. Tout s'est joué quand le cataclysme a frappé le royaume. Si je n'avais pas paniqué et faussé compagnie aux brides sans prévenir, je me serais évité bien des soucis. Sans compter que les vivres que je voulais apporter au village Piaf sont fichus. Hein. Je crois que je ferais mieux de rejoindre les brides abattues. Je serais plus utile aux côtés de mes compères musiciens. Pour l'instant, je dois me rendre au relais des prairies gelées. Et jouer pour la grande fée. Où sont mes manières ? Voilà pour toi, tiens, merci. J'ai chopé ça sur le chemin, par terre. Bon, c'est pas un cadeau. Hein. Allez, je te laisse, j'y vais. N'hésite pas à nous écouter à l'occasion au relais des prairies gelées. Hein. Ah, je suis deg. Franchement, avec la... Oh là là, avec la gueule qu'il a, le jeu, actuellement, je suis très choqué de ne pas faire l'atterrissage. Pas vous ? Ah, je suis abattu. Le jeu laisse tellement de possibilités, je suis trop étonné. Franchement, j'aurais mis ma main à couper qu'on allait faire l'atterrissage. Oh, je suis sur le boule. Actuellement, je suis assis sur mon trou de balle. Tu le crois. Bon, par contre, il va falloir choper un moment, parce que là, oh, c'est très bizarre. Ils me disent étage inférieur, alors que j'ai déjà... C'est peut-être un tunnel qui est là-dedans. Peut-être une grotte qui est par là, genre. Parce que là, c'est très en dessous. Ou alors, c'est une grotte dans la... Par là, et elle va encore plus en dessous. Il faudra la trouver un jour, cette grotte, hein, de toute façon. On va où, là ? Ah oui, on retourne ici à pied, ok ? Prairie... relais des prairies gelées à pied. On n'a jamais fait cette route, en plus, c'est parfait. Oh là là, je débarque de la session WoW d'hier. Quel plaisir, ce farm d'Ali. Oh ! Hier sur WoW, on a vraiment fait une session de zinzin. En ce moment sur WoW, il y a World of Warcraft Season of Discovery, qui est un truc assez marrant où tu joues sur le WoW d'il y a 20 ans, mais avec des nouveautés et des fonctionnalités et tout, et des petits trucs à faire. Et il y a notamment une bataille d'Ashenval. C'est un endroit à Ashenval où il y a des batailles PVP vraiment énormes. Il y a des centaines, voire des milliers de joueurs. Merci à la Mamissuse pour les 2 ans, merci beaucoup. Et en vrai, c'est une régalade comme ça faisait très longtemps que j'avais pas eu des feelings comme ça sur WoW. Je suis rentré au taf au début du raid, tristesse de pas avoir pu voter. Ah mais le carnage était incroyable, Zozo. Vraiment, c'était fou.
Aucun influenceur côté Ali pour organiser les troupes, je suis abattu. Bah, normalement, il y a Trauma. Hein. Normalement, il y a Trauma et il y a Rôtisseur. Donc, si, il y en a quand même deux. Des joueurs WoW. Ça pousse les sessions WoW jusqu'à minuit, mais pas les sessions Zelda. Bref, c'est vrai. Après, les sessions Zelda. Après, les sessions Zelda sont quand même souvent... c'est plus fatigant à streamer que des sessions WoW, parce que les sessions WoW, j'enlève la cam, et c'est un peu comme si je jouais plus que je streamais, même si... Bon, je suis quand même un peu là, tu vois, mais c'est très différent. Vraiment. C'est ça, la route ? C'est pas une route, non ? Ah, si. Mais franchement, franchement, c'est incroyable et vraiment, je n'ai pas ressenti des sensations comme ça sur... Oh non, le MMM qui a fait... Merci Mona Lisa qui donne 5500 bits, c'est énorme par contre. Hein. What the fuck ? Merci Emo, c'est super gentil. Tu t'es fait censurer les M quand même, hein. Oh non, le seum. Mais non, pas le seum. Non mais arrêtez, non mais faites pas... En vrai, c'est... Il faut que je règle ça, il faut que je règle ça. Il faut que je mette le nombre de... Un nombre de lettres maximum d'affilée. Je l'ai toujours pas fait, je suis dans ma procrastination, tranquille. J'ai trop la haine. Désolé, Emo. Mais merci quand même pour le soutien, mais désolé pour... Ouais. Et en plus, c'est pas moi, là. Enfin, c'est pas... J'ai rien réglé du tout, hein. En vrai, peut-être prendre le fight pour récupérer des... Des flèches, non ? J'en ai plus beaucoup, j'en ai que 100. Ouh, ta gueule ! Ok, ok, ok. C'est mon karma, t'inquiète, continue comme ça, tu gères. Merci Emo, c'est super gentil. Ah, what the fuck, vous avez vu ma vie? Ouais, il faut une bouillabaisse. C'est l'heure de la bouillabaisse. Il est quelle heure? 15h45, l'heure de la bouillabaisse. Putain, mais deuxième bouillabaisse. Oh, ce qui m'a rentré. Ah, mais j'ai ma tenue d'escalade, c'est pour ça. C'est quoi la différence entre Horde et Alliance ? Bah sur World of Warcraft, ce sont les factions. La Horde, ce sont les humains, les nains, les gnomes, les elfes de la nuit. Tandis que la Horde, c'est les orques, les taurennes, les morts-vivants et les trolls. Voilà. Donc en fait, c'est les races qui changent, concrètement. Qu'est-ce que tu racontes, Zozo ? Il a dit deux fois Horde. Conclusion, l'Alliance, c'est nul. Non, après, chacun, voilà, voilà, tranquille, hein, tu joues ce que tu veux. Hein. Mais moi, je suis Horde, ouais, moi, je suis Team Horde, ouais, bien sûr. Ça change beaucoup de choses ? Ben, on va dire que c'est les... comment dire, ça change beaucoup de choses. Ben, c'est les deux factions qui sont les unes contre les autres. Dans le mode de jeu auquel je joue, moi, sur WoW, ben, l'Alliance a une classe qui est le Paladin. Alors que la Horde a une classe qui a le chaman. Il peut pas y avoir des chamans allianceux ni de paladins hordeux, tu vois. Merci Toxine pour le 42e mois. Et merci Mona Lisa qui offre un abonnement aussi. Lucette la cacahuète. Merci. Allez, bon après-midi. Merci Mona Lisa, c'est adorable. Mais donc voilà quoi, c'est du MMO, mais ouais, j'ai jamais ressenti des sensations comme ça depuis vraiment, c'est pas une vanne, hein, depuis genre, je pense depuis 2012, j'ai pas ressenti des choses comme ça sur WoW. Voilà. Premier degré. Je pense 2012, c'est les dernières sensations à peu près similaires que j'ai eues sur WoW. Je trouve ça incroyable, les grosses guerres qu'on se fait à Shenval et tout sur les serveurs, je trouve ça ouf, tu vois.
Mais c'est vrai que côté Horde, on a Luxia et moi qui organisons quand même des grosses batailles. Côté Alliance, il y a encore pour le moment que Rôtisseur, mais Rôtisseur il est là tard le soir. Et Troma n'est même pas encore niveau 25, c'est vraiment dommage. Tu donnes vraiment trop envie d'y retourner, tu es très chétan. Je ne sais pas me limiter quand je me lance dans WoW. Bah pareil un peu. Hein. En vrai pareil, hein. Regarde comme je spam le jeu en ce moment. Moi non plus j'arrive pas trop à me limiter quand je joue à WoW, en vrai. C'est horrible. T'en es où de la quête principale? Elle est finie toi la quête principale, mais t'es tout seul! Oui! Attends, j'entends, hein, j'entends. Hop, 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 hop. Les yeux, les yeux, les yeux. Oui. Il va faire tout noir. Vous êtes pas très gentil de me dire ta gueule dans le chat. Alors que ben finalement dans mon activité de streamer, ben, y a aussi le fait effectivement de parler, d'animer le live, de... Enfin franchement, je comprends cette envie de chill et tout, mais bon ben... Franchement... Je sais pas. Non mais tranquille, de toute façon moi c'est pas ça qui va m'arrêter, tu vois, dans ce que je fais quoi, ma commu qui me dit ta gueule, mais bon c'est sûr que... Bon bah voilà, ça remet quelque chose en perspective et tout quoi. Pourtant, ouais, pourtant la commu est super, hein. Non, mais c'est pas grave. Messieurs, dames, nous sommes face à Boulier. Effectivement. C'est parti. Petit rappel des règles. On fait des trucs au hasard. On fait des trucs absolument au hasard et on regarde si ça tient après. Enfin, on fait une prédiction puis on regarde si ça tient, d'accord? Voilà, voilà ce qui va se passer. Voilà, messieurs, dames, ce qui va se passer. Voilà ce qui est en train de se passer actuellement. Waouh. Là, il n'y a aucune chance qu'il se passe quoi que ce soit, je crois. Attendez. Faut faire un truc cohérent. Ouf, ou la cohérence. Attendez, c'est pas encore exactement ce que je... Merci Zanagi. Pour le sub-gift. Ah, la fondation en elle-même est extrêmement solide. Maintenant, là, la fondation en elle-même est quasi parfaite. Maintenant, il va falloir trouver le compromis entre la perfection et le fait que ça tienne. Voilà. Là, c'est pas dégueu. Voilà. Messieurs, dames, prédiction, vous avez 2 minutes. Vous avez 2 minutes pour la prédiction. Est-ce que le panneau va tenir si on lâche 2 minutes challenge? Oui ou non? Tourne autour, évidemment.
C'est chaud. On en est où de la prédiction? C'est chaud en vrai. Quoi? Il y a déjà 8 millions. Ah ouais, vous claquez tout là. J'aime ça. 9 millions même. Oh, j'adore. Avec un quasi 50-50, j'adore ce qui est en train de se passer. Je pense qu'il y avait plus simple. Je pense pas honnêtement, Céline. T'as déjà joué à un Zelda? Bon. Ok. Un point là-dessus. Vous avez encore une vingtaine de secondes, messieurs, dames, pour la prédiction. Est-ce que cela va tenir ou non? Oui ou non? On est à quasiment 13 millions de points de chaîne. On sait pas trop. Ah, il se met à pleuvoir, forcément. Ça arrange pas les gens qui votent oui. Ça change rien. Vous en faites pas. On est actuellement bientôt à 15 millions. 15 millions de points de chaîne. 15 millions 300 000 points de chaîne. Wow. Merci Womer pour le troisième ad prime et le message. Merci beaucoup, c'est très gentil. Les good vibes. On essaye. Merci à toi. Ok. Messieurs, dames, est-ce que cela va tenir? Posons la question, bien sûr. Attention. Attention, messieurs, dames, le suspense total. Je vais essayer de... Putain, voilà mon prime de Noël. Merci, Link, pour le prime de Noël. Merci beaucoup. Bon, on va voir comme ça. Attention, est-ce que ça tient, messieurs, dames? Il tient bien, il ne va pas tomber. Il tient bien. Incroyable ! Oh, il attendait que tout se calme. Il attendait que tout se calme. What the fuck ? Oui, il a tenu, messieurs, dames. Mais c'est n'importe... Ils ont changé vraiment toute la physique du jeu, c'est pas possible. Les trois derniers qu'on a fait, vraiment, c'était... C'était ça. C'est trop bizarre, non ? Oh, joie! Tiens, merci. C'est trop bizarre. Des boulettes aux herbes, merci. Et encore des bombes, 5 bombes. Voilà, une seule bombe. Okay. Ok, et ce n'était pas le dernier. Très bien. Le pourcentage qui avance, hein. Bref. Monseigneur Ponce, les pauvres ont faim. À quand une redistribution des richesses afin de permettre aux classes les moins aisées de bêtes sur ces structures que l'on pourrait qualifier d'œuvres d'art? C'est vrai que ça fait un petit moment qu'on n'a pas fait de redistribution de richesses. Le genre de bête où en gros, je dis à l'avance qui va gagner et le but c'est que les riches mettent 250 000 sur le bête qui va perdre et que tous les pauvres mettent toute leur thune sur le bête qui va gagner. C'est vrai qu'il faudrait en faire, ça fait un moment qu'on n'a pas fait ça, c'est vrai. En même temps, j'ai vu tellement de riches tricher, tu vois, c'est compliqué. C'est ça en fait. C'est quoi riche? Bah c'est ça qui est difficile. Est-ce que riche c'est à partir de 50 000? Est-ce que riche c'est à partir de 250 000? Est-ce que riche c'est à partir de 1 million? Tu vois? C'est... Franchement c'est chaud hein. Genre 3 millions? Ouais mais tu sais 3 millions... En fait le truc c'est que y a les ultra riches en fait. Moins de 100 000 c'est pauvre. Ah, il y a pas mal de gens, ils vont dire, franchement, moins d'un million, c'est pauvre. Hein. Ah, c'est pas si simple, hein. En vrai. Tu sais combien ça fait, un million? Je suis content de ne pas avoir pu prédire, hein. J'allais dire non. Merci Elfinia, merci beaucoup. Merci Kaikwik aussi pour le 28e mois. Un million, c'est riche, oui. On parle de points de chaîne, attention, hein. 1 million, je me sens pas à l'abri. Hein. Non mais on parle de points de chaîne, comment ça se sentir à l'abri, vous êtes trop chiant. Par rapport aux prédictions qu'on fait, bah 1 million c'est potentiellement 4
prédiction all-in de perdu, on va dire. Voilà. Vous pensez que c'est faisable d'ici là? Il faut aller très 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 haut. Hein. Bah. Ah. Tardly. Yari! First try, GG. Franchement, à deux près. Hein. J'ai pile 100 000, donc je commence à rentrer dans la catégorie des riches, et plus maintenant. Bah oui! Non, mais 100 000, c'est pas riche, je pense. Ah mais oui, le fameux trésor, c'est vrai. Salut! Est-ce que toi aussi t'es à la recherche des trésors de lambda? Enfin, j'ai arpenté toutes les routes du coin, mais je n'ai trouvé aucune grotte qui pourrait renfermer le trésor de lambda. Pourtant, je n'ai pas ménagé ma peine. Je suis allé jusqu'en Ordine, au nord-est d'Hyrule. J'ai rencontré les frères chasseurs des trésors au relais du pied de la montagne. Ils m'ont dit qu'un des trésors de lambda, le voleur, se trouvait dans une grotte des confins de Tabanta. Alors je suis venu ici, hein, tout ça pour ça. Ouais, mais non, mais c'est sûr qu'il y a une grotte de zin. En fait, là, je pense... que ici, il y a une grotte de zinzin. Voilà, je pense tout là. Voilà. Je pense. Merci Choupiche. Merci pour le Prime, bienvenue. Et merci aussi Kel Reborn pour le 5e mois de Prime. Merci beaucoup. Eh oh! Genre les souterrains? Non, je parle d'une grotte, pas des souterrains. Vraiment d'une grotte. Oh là! Ça va? Comment ça va? Allez, je veux pas mourir ni perdre mes champis! Ah, c'est une histoire de champis, ok. Ouais, c'est ça, part, ouais. Sauf qu'il part. Mais attends. Ah, ouais. Waouh, c'est la mêlée générale, là. Oui, c'est Huskad de la dernière fois avec la grotte aux champignons. Je pense que c'est elle, ouais, 100%. Some style. Bon, je vais... Oui. J'ai tout ramassé, ouais. La corne, mais justement, elle est où la corne? Elle est là. My bad. Je me disais bien, il manque le truc le plus fort, quoi. Effectivement. Il faut que je trouve le cheval. Là, c'est lui. Alors, là, vous êtes en train de dire, mais qu'est-ce qu'il raconte? Mais je crois que là, il y a un bail. Attends. Je crois qu'il y a un bail où je peux donner à manger. Un cheval vient m'indiquer l'endroit de toutes les grottes, mais je sais plus où c'est. Je vais retrouver, tranquille. Qu'est-ce qu'il dit? C'est un petit tips. Non mais attendez, je vous ai sauvé. Vous êtes en train de faire bully par un testicule avec... Mais quoi?
Ça va mieux, ça va mieux, ça va mieux. C'est Uscad ! Oh, tu tombes bien, je crois que j'aurais jamais pu m'en sortir toute seule. Je crois que le Mont Satori. Non, c'est pas celui-là le Mont Satori. C'est celui-là. Merde. Je vais continuer mon chemin, mais on la trouvera cette grotte, hein. On la trouvera, hein. Là déjà, on va aller... on va retourner... On retourne ici. Donc, relais des prairies gelées, on retourne ici. On retrouve toute la compagnie de musique, on réveille la fée. C'était l'objectif quand même. Très dangereux ce petit chemin là. Très très dangereux. Ah. Ok. Je pense que je meurs de moi-même. Non, 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 la stratégie était bonne. Waouh, langage fight était un petit peu violent effectivement là-dessus. Une tête qui va être trouvée sur l'adversaire peut-être. Deuxième tête peut-être là-bas aussi. On redescend. Qu'est-ce qui met le feu? Qui hein? Très bon cette bouillabaisse. Hein? Qu'est-ce qu'il fait? Littéralement foncer tête baissée dans son... Ah, mais tu tapes ton pote! Tu tapes ton pote mon gars! Mais... Mais attends, ils ont pas besoin de moi en fait. Ils n'ont juste pas besoin de moi. Ah, j'ai un appel à tout le monde, c'est un livreur, je suis en plein fight. Non, non, c'est pas vrai. Oui, allô? Oui. Ouais, tout à fait. Ouais, si, complètement. Dis-moi. Parce que je suis... Ouais, si, il y avait des trucs très cool. Là j'avoue que je suis vraiment pas dispo dans l'immédiat, là. Mais par contre, on peut essayer de se faire un rendez-vous avec aussi Léo et JB, ce serait cool. Est-ce qu'éventuellement tu peux écrire un email à notre adresse email? Moi, je fais passer le message à Léo et JB, comme quoi, de toute façon, tu vas envoyer un message. Et comme ça, on essaye de voir tous ensemble. Je pense que ce sera le mieux. Au top. Au top. Normalement, il y a l'email qui est dispo sur le site, hein, je crois. Et il y a les OGB. Ouais, complètement. Complètement. Pas de problème. Salut. Ciao, ciao. Excusez-moi, c'était Drake. C'est pour un feat, mais faut qu'il passe par email. Parce que là, en vrai, il n'y aura pas le temps. Hop. Allez, toi, ta gueule. Ouais, non, c'était... non, en vrai, c'était pas Drake. Je déconne, c'était une vanne. Bon, hein? Non, c'est un potentiel partenaire de Floral Record avec qui je discute, effectivement. Non, c'était pas Beyoncé. Effectivement.
Je me disais Drake qui parle français, c'est chelou. Ouais, je comprends. Ouais, je comprends ce que tu t'es dit. Ah putain. Évidemment, je remercie Ranskull qui a littéralement écrit c'était Drake. C'est pour ça que j'ai dit ça, parce que j'ai vu ce message, ça m'a fumé de rire. Donc merci à toi. Non, c'était pas mon ex Shakira. De toute façon, mon ex Shakira n'a pas mon nouveau numéro de téléphone. Et surtout, elle ne l'aura pas. C'est hors de question. C'est hors de question, on a trop souffert, elle et moi. C'est trop toxique. Bon, du coup, on continue à aller vers le relais. Hop. Qui est là-haut? Des nouvelles de Alyssa Milano? Non, pas encore, je dirais. Je dirais que le terme, c'est pas encore. Et non, j'ai pas encore fait les quêtes des limites. Loin d'avoir tout fait à Limit. Très très loin. Ah merde, elle me l'a demandé l'autre jour. J'ai pas fait gaffe, je lui ai filé my bad là-dessus. Ah, t'as filé mon numéro, putain. Ah. Il y a un objectif aujourd'hui, c'est passé quoi ? Aujourd'hui, c'est passé quoi ? On a retrouvé le joueur de corps qui était l'objectif de la semaine dernière, donc c'est pas mal. On a découvert quelques noix Korogu. Putain, mais j'ai vraiment fait que ça depuis tout à l'heure. Non, on a quand même tué un Griok. On a fait du mini-jeu. Donc voilà quoi, donc c'est pas mal en vrai. Là, on va donc réunifier la troupe de musique qui sera normalement complète, qui va réveiller la dernière fée. Et du coup, j'aurai réveillé toutes les fées. Voilà. Là, c'est l'objectif. Et ensuite, on va chercher cette grotte parce qu'apparemment, il y a une grotte qui est énorme par là. Non, attends. Non, par là, pardon. Ici, vers là, il y aura une grotte énorme, je pense, quelque part. Donc, va falloir la chercher. Et je pense pas que ce soit... C'est peut-être les souterrains, ouais. On ira peut-être voir les souterrains selon ce qui se passe. Merci à Ravine pour le 17e et merci She's a Cheesy Lover pour le 34e. Merci beaucoup. Salutations, je profite de ce resub pour dire que j'ai terminé les quêtes principales de Totsk et lorsque j'ai ouvert ma map, j'ai vu 91,16%. 92,16%, c'est énorme. Oh, 840 Korogu trouvés, il me manquait même pas 10 quêtes, etc. Vive l'exploration. Ah ouais, les Lex, t'es allé jusqu'au bout avant de battre Ganondorf. Non, moi j'avoue, je me suis dit, je m'enlève ça de la tête. Oh, c'est incroyable. Parce qu'en fait, ça commençait à être frustrant, je pouvais pas regarder des vidéos de Zelda, je pouvais pas trop en parler et tout, parce qu'il y avait trop de trucs que j'avais pas fait. Du coup, c'était un peu frustrant, j'ai préféré finir l'histoire principale pour revenir plus fort, quoi, sur le slow run. Je vais passer sur le côté. T'as regardé quoi comme vidéo, du coup ? Bah, le speedrun, par exemple. Le speedrun, on s'est maté le speedrun la semaine dernière. Que je vous ai pas regardé jusqu'ici pour éviter de me spoil. Je suis à combien de pourcents là ? 53,77, c'est énorme. Colossal. On va farmer les flèches hein, sur cet ennemi, je pense. Alors bon, s'il tire dans le vide, ça va être chiant. On va plutôt se mettre là. Ouais, là. Voilà. Il tire. On va chercher la flèche. Ils l'ont tué ? Ah non, pas encore. Putain, je peux pas les récup. Aïe ! Ah. Refait ? M'a saoulé. Ok. Merci Archibald. Bonjour à ceux qui se lèvent et bonsoir à ceux qui se couchent. Tout à fait Archibald. Tu vas tenter le tien d'ailleurs de speedrun, Ponce.
le tien. Tu veux dire, est-ce que je vais faire du speedrun sur Tears of the Kingdom? Je sais pas encore. Je sais pas encore. Voilà. Je verrai. C'était mieux que ce que je pensais là quand j'ai vu justement le speedrun de Todd. Qu'il est... En vrai, il est assez sympa. Beaucoup plus que ce que je pensais. Mais par contre, il a l'air extrêmement dur. On va pas se mentir. Non mais... Arrêtez de m'attaquer en permanence. Vous voyez bien que je n'ai rien contre vous. Je ne fais que passer. Alors peut-être que mes amis, eux, sont un petit peu agressifs. Mais c'est parce que vous criez... Doucement, doucement, doucement. Et voilà. Et voilà, c'est le risque. Hein. C'est le risque, forcément, tu m'attaques, j'ai deux potes avec moi, ils sont pas très commodes. Donc c'est le risque. Il y a un truc à faire avec ces boules de neige, vous pensez ? Ah, attends, on peut faire un bonhomme de neige, non ? Genre là, on agrandit la boule. On agrandit la boule. Aïe. Bon, lui... Hein ? Horrible mob. J'ai perdu une flèche là-bas. Alors, là... Non mais coller, coller, coller. Est-ce qu'on amènerait pas... Est-ce qu'on ferait pas un bonhomme de neige pour le... Pour le relais qui est ici? On leur amène un bonhomme de neige pour l'ambiance en vrai. On leur ramène un bonhomme de neige, on va le finir, on va le peaufiner bien sûr. Pour ça il nous faudrait des branches d'arbres en vrai. Est-ce que j'ai la place? Bien sûr que non. Non mais attends. Alors. Ouais, le bonhomme de neige va être un peu... Waouh, gros bonhomme, gros bonhomme de neige, ouais. Coucou Ponce et coucou les fleurs, je sors de l'ombre pour vous partager ma joie. Hier c'était mon anniversaire et mes collègues de boulot se sont cotisés et m'ont offert la veste fleur doublure Sherpa, let's go! Merci à eux et joyeux anniversaire à toi, ça fait trop plaisir. Je crois que je suis en train de me faire attaquer par un ours, non, derrière, là. Oh non, mes boules passent pas, là. Ok, elle passe. On va y aller petit à petit, et on va leur offrir ce magnifique bonhomme de neige, d'accord? Qu'on va évidemment, améliorer de toutes les petites choses qu'on trouvera à droite et à gauche, d'accord? Ça va être super, c'est super ce qu'on est en train de faire. Un boulhomme de neige. Un titan colossal de neige. Bah tiens, tu vois ça par exemple, ça... Non, non, non. C'est top ce que t'es en train de produire, Aurel. Merci. Un ange libre qui fête son 8e mois de prime. D'ailleurs, en parlant de veste Sherpa, la veste Sherpa Fleur de l'Ombre, est-elle prévue pour... Elle est prévue pour quand? Ah, je crois qu'on va être obligé de la sortir. Hein. Je sais pas si tu m'entends, Céline, là. Je sais pas si t'es sur le live, mais je crois qu'on va être obligé de sortir cette veste Sherpa Fleur de l'Ombre. Hein. Pompon, t'es mon streamer numéro 1 avec 950 heures. Et 4900 en tout sur l'année, faut que je trouve un taf. Oh, tu sais... Tu peux trouver un taf et être addict à Twitch aussi, hein, ça fonctionne. Hein.
Alors, je... Elle est où la boule? C'est pas vrai. Non! Battu. Où est-ce que je peux trouver une autre boule? Merci d'Aid Rage pour le 26e mois. Bonhomme de neige dans le chat qui nous dit ma tête. Oh. Je vais devoir aller chercher. Je vais devoir aller rechercher l'autre boule. Mais celle-là va disparaître, non? Si j'y vais. Ah non. Parce que. Bon. On y retourne. Merci Slitan pour le 39e mois. Présentement 6000 heures en bossant à la maison. Ouais, ça m'étonne pas en vrai. Il y en a une dernière. Il y en a une derrière. Deux boules. Il y a une boule derrière. Ah. Attends, merci à Laoizy. Des bisous. Merci Slalokis. Let's go. En fait, Twitch, ça fait une présence, ouais, de fou. Quand t'es en auto, quand t'es en, pardon, en télétravail ou quoi, en fait, Twitch, ça fait vraiment une espèce de présence, comme une radio, tu vois. C'est tellement confort. Attends, vous me parlez des boules, parce que là, il y a un gigantesque Griog Dog. Ah ! Oh, j'ai. C'est ma présence préférée, vous êtes adorable. Mais oui, bien sûr que ça fait une présence, bien sûr. Évidemment. Merci Wifu. Waouh. Par contre, avec toutes les pubs pour la cocaïne que Twitch fait, je vais devoir essayer. Hein. Je pense que c'était pas ça le but de ces publicités qui chinent. Là, t'es en train de te méprendre un petit peu là. Il faut 3 boules. Pourquoi il faut 3 boules? Non, 2 boules suffisent. C'est exactement comme ça que je vois Twitch quand je suis en télétravail, comme une radio, et la meilleure, c'est Radio Pompon. Merci, vous êtes trop gentil, putain. Mais ça fait très chaud. Mais moi, le premier, hein, quand j'étais encore salarié à Berlin, j'avais toujours un live d'ouvert. Et je vous ai déjà dit en plus. Mon streamer de journée, quand j'étais au travail, mon streamer vraiment de travail, c'était GobGG. Alors, c'était une autre époque, hein, bien sûr, de Twitch, mais c'était GobGG, messieurs, dames. Je le regardais sur LOL. Ah ! Ah. Pour ma part, nombre d'heures regardées... 1628 heures. Oh, c'est pas mal, hein. Point de chaîne gagné, 3 millions 23 000, ça va. Point de chaîne dépensé, 3 millions 56 000. Ouh, t'es déficitaire, Saki. Attendez, il y a bien des planches quelque part, t'as raison. Vous avez raison, il y a des planches pour caler tout ça. Je vais soutenir tout ça avec les planches qui sont sur le côté ici. Non, non, ouais, voilà. Exceptionnel. On fait tenir la base et après on apportera la tête, ok? En attendant la tête, non, pas près du feu, certainement pas. La tête va rester là. J'arrive, hein, maestro, je prépare le retour là de la compagnie justement.
Ouais. Ils vont être contents, hein. Attends, non, c'est toujours pas calé. Comment je... Oh, oh, l'idée de zinzin. Un socle solide. Un socle solide. Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Où vas-tu? Où vas-tu? Où vas-tu? Calme-toi. On le met où d'ailleurs? Attendez. J'essaye de déplacer sans abîmer, mais c'est chaud. Ah ! L'image est un peu vénère, hein, pour les gens qui nous suivent là. C'est... Là, la tête s'est faite quand même éclater là. Il a éclaté son crâne. Ok, tranquille. On va améliorer tout ça, y a pas de souci. Vous en faites pas. Regarde, là je vais mettre cette base là, de l'autre côté. En vrai, pas mal, non? Il faut aller juste chercher une nouvelle tête. Le truc, c'est qu'il faut surtout pas que je perde ça. Attends, mais il y avait des boules là-bas. Oh, il y a des boules juste là. Il a faim? T'as le ventre qui gargouille, petit bonhomme de neige? Il va se réveiller. Qui ose m'invoquer, roi des bonhommes de neige? Il est en train de perdre la tête. Oh, la violence. Attends. Putain. Oh, un petit peu plus. Me dis pas que j'ai plus de carottes.
Oh le cauchemar, j'ai plus de carottes, c'est pas vrai. Elle est minuscule. Oui, bon bah ça va, on dit ça tout le temps. La colle est plus grosse que les carottes. Ah, c'est un peu décevant là. Attends, mais je peux pas bosser là. C'est un bossable. J'avais pas vu que c'était autant en avant. Oh le stress. Oh là, oh là, oh là, oh là. Oh, attends, attends. Ah. C'est trop loin. Je vais être obligé de me... Je vais être obligé de me faire un échafaudage, ça c'est sûr. C'est effrayant. C'est effrayant par contre. Oui, non mais... Qu'est-ce que tu fabriques ? Ne va pas faire des misères à notre débrité, chérie ! Non, mais t'inquiète. Ah, lâche ça! Reviens quand tu pourras nous aider! Toi, ça sert à rien, tu fais de la merde avec le bonhomme de neige, on s'en bat les robignoles! Moi, j'y joue de la musique, moi, je suis une artiste, et toi, tu es une merde! Avec ton bonhomme de neige qui n'a pas de gueule! Regarde même le papy, là, Alicine! Le papy, il a 90 ans, il a jamais vu une merde de cette taille! Arrête! Besoin d'un guide? Oh bah là, là je sais où je vais moi. Oh non! La planche elle a pris feu! Oh le cauchemar! Oh le cauchemar! Le cauchemar! Bon, vous savez quoi? J'ai un échafaudage naturel juste ici, on va bosser avec ça. Et on le ramènera au bon moment. Ouais, du coup, je me disais, je vais peut-être le mettre plus. Oui, c'est mieux. C'est mieux, c'est mieux, c'est mieux. Beaucoup plus cohérent. Beaucoup plus cohérent. La carotte. J'en ai pas 9 à la base. Je les ai pas reprises. Ah. Mmh. Qu'est-ce qu'il fout ce bras là? Mieux. Ok. On va lui faire un gros sourire.
peut-être pas. Ouais. Ok, j'ai peut-être pas. Ouais. Non. Ouais. Peut-être pas faire ça en vrai. En vrai, je viens de capter là pour le bosser. Est-ce qu'il faudrait pas que je le mette sur le côté? Genre, imagine, je le prends et je le mets comme ça, le temps de le bosser, j'entends. Hein. Attends. Non, il est en train de se... Ok, tranquille, ok, tranquille. Tu vas tout détacher. Non, mais en fait, ce que je vais faire, du coup, c'est que mon échafaudage, ça va être... Je suis obligé d'utiliser... Ça, c'est mon échafaudage. C'est-à-dire que l'échafaudage, c'est le relais, quoi. On va faire ça, parce que là, c'était trop complexe, hein. J'enlève ça. Et merde. Nickel. Donc il a perdu la carotte et la planche. La carotte, la planche, donc ça c'est son bras. Comment on... Les yeux c'est bon je pense. Merci Kawok pour l'année d'abonnement, merci beaucoup Kawok. Ce que je fais. I belly I can fly. Merci pour le 32e mois, des bisous. Je sais pas ce que je fous là. Du coup, je rapporte ça. Je vais mettre les roues en mode les yeux. Et concernant le sourire, je sais pas encore quoi faire. Alors. Hop. C'est quoi le projet? Le projet, c'est faire plaisir à un relais. Et aux voyageurs qui passeront par ce relais. Et leur offrir un cadeau de Noël. Fin de Noël. Plutôt de fin d'année, quoi, on va dire. Vous en faites pas. Tout va bien. La tête. On a perdu la tête. Ah ! Bon, on remet ça là. C'est pas grave. C'est pas la fin du monde. On récupère tout, de toute façon. On remet tout ça là. On a quand même avancé hein, sur notre manière de bosser. On sait qu'on va le mettre là. Là, on est d'accord, il a plus rien, voilà. Le corps, je le remets mid-map. Oui, non, mais je comprends que vous ayez peur. Je comprends tout à fait. Je peux pas vous en vouloir là-dessus. Attention, petit dogo, attention. Ok. Ah mais il y a un puits là, j'y suis pas allé. Ah si, j'y suis allé, ok. Y avait pas des boules là-bas? Merde. Mais elles étaient loin, non? J'ai entendu un bruit badant là. Non, c'est bon. Mais ce que je suis en train de faire, vous rendez pas compte pour le pourcentage, genre pour le 100%, c'est vraiment un... Fais une grosse boule. Attends quoi? Ah oh, désolé, la vague de froid est passée, mais ça m'empêche pas le fond de l'air d'être toujours un peu frisqué ici. On peut pas se battre à force égale avec les monstres, hein, ça c'est sûr.
Peut-être que ça pourrait valoir le coup d'utiliser des boules de neige. Enfin, je dis ça, il faudrait en faire des énormes pour que ça marche. Alors, bonjour les lombaires. Et sans compter qu'après, il faudrait les faire rouler juste dans la bonne direction pour qu'elles aillent percuter l'ennemi. Regarde la gigantesque boule en face de toi, hein, Pondo. Il est beau ton cheval, d'ailleurs. C'est donc pour lui qu'on fait tout ça. Bah, je sais pas. Attendez. Je fais très gaffe parce que... Faut pas que ça disparaisse. La boule est toujours là. Je fais rouler un petit peu cette boule le temps d'y aller. Merci Denis Takumi. Merci beaucoup. Bon, on pense faire de la construction sur Tears of the Kingdom me frustre autant qu'essayer de résoudre les conflits entre 500 mods sur Skyrim. Ah. Ah mais c'est de la frustration, mais t'as quand même hâte de voir le résultat, non? Ah, on peut pas lui offrir une tête si petite. Ok, très bien. On est reparti. Et oui, c'est parce qu'il y avait un lien, Denis. C'est pour ça, mais je l'ai vu. Alors, les bras, ils sont là. Ça prend 3 boules pour un bonhomme de neige. Ah ouais, pourquoi? Pourquoi 3 boules le bonhomme de neige? Qu'est-ce qui est tombé? Oh le bad. Jambes, buste, tête. Ouais, c'est vrai, ouais. Ah mais il faut faire un effort là de... Moi j'avoue, bonhomme de neige, j'ai toujours fait en deux boules. Après j'ai... Je suis pas non plus le constructeur des bonhommes de neige, tu vois, mais... Ouais, j'ai ma petite XP quand même. 2K8, bonhomme de neige... fin des années 90, donc je suis monté à 2008, ce qui est le dernier rang quand même, hein, en bonhomme de neige, donc voilà. Enfin après, je sais pas si vous voulez parler stats ou si vous parlez uniquement feeling, tu vois, mais en termes de stats purs, j'ai un petit niveau bonhomme de neige. Ça fait un petit moment, c'est vrai. Il y a plusieurs écoles. Non, c'est clair, il y a plusieurs écoles. Ça dépend clairement le maître bonhomme de neige que... Oh là là, attends, c'est une masterclass. Qui m'a pris ce que j'avais mis sur l'échafaudage? Ah, ça me gêne un peu parce que le sourire là, je sais pas trop comment... Il y a une torche là, ouais... Échafaudage? Da-da-da. Parce que le problème de la carotte, c'est qu'on l'a vu, hein, c'est que la glu prend plus de place que la carotte, donc à partir de là, c'est un peu tristou, quoi. Regardez. Ah, attends. Et si je fais un bâton avec au bout la carotte? Ou un... Un arc pour le sourire, ouais, mais dans ce cas-là, faut un arc grand, ouais, c'est faux, genre ça. Non, c'est ouf, je peux pas le mettre dans le sens dans lequel je veux. Ah ouais.
Alors. Je voulais pas le coller. Ouais, je voulais pas le mettre si. Ah, ça va être chaud. Oh, incroyable! Incroyable! Oh, c'est un banger. C'est un banger de fou. Qu'est-ce que je peux lui mettre en chapeau? Eh, mais en vrai, en chapeau. Une corne de linelle? C'est genre, c'est King Kampf. Jean-Jean King Kampf. C'est un banger. Bon, j'en peux plus, il faut que j'aille faire pipi, moi. Je vais faire pipi, j'ai pas encore fait pipi, j'arrive, ok? Je me dépêche. Ok? J'arrive. Je reviens et on termine ça. Parce qu'en fait, là, le but, c'est de le mettre au bon endroit, prendre le plus beau screen... Et mettre ça sur Reddit Tears of the Kingdom et que les gens soient en mode What the fuck, this is the best clip I never seen before, wow, this is the end of Tears of the Kingdom, bro. Ok, j'arrive, à de suite, j'arrive. J'ai oublié de prendre mon verre d'eau, je vais chercher de l'eau, j'arrive.